sacs de Jack pour les soirs d'hiver. De fleurs de lysée, tatouées sur le cœur, aux vieux rêves usés que le temps perd. Ces quatre accords et la vérité, rentrée à bon port à la fin de l'été. Une raide de troc, un Willy dans Garnotte, c'est la radio des pick-up puis le bruit des bottes. On fait du country, on fait du country. On fait du bruit, on chante nos vies, on fait du country. Au samedi soir, de fond de bouteille, au lendemain de veille, qui sont toujours pareils. Aux fins de semaine, aux jours de paye, à nos grands-pères qui ont tapé la traîne, on fait du country. Sonex du vendredi, au bel barmaid du 4 jeudi. À toutes nos ex, c'est ce qu'on oublie, celle qu'on veut garder pour la vie. À John qui gratte sa vieille Gibson, qui gringue l'ampli mieux que personne. Au mille après mille qui perce les nuages, quand le soleil dit bonjour aux montagnes. On fait du country, on fait du bruit, on chante nos vies. On fait du country. Au samedi soir, de fond de bouteille, au lendemain de veille, qui sont toujours pareils. Aux fins de semaine, aux jours de paix, à nos grands-pères qui ont tapé la traîne. On fait du country. On fait du bruit, on chante nos vies, on fait du country. Yeah! Phil G. Smith, bonjour, bienvenue à l'émission Court Circuit. Merci. On se trouve là en marge de Contact Ontario où on va découvrir un extrait de ton spectacle. Tu peux m'en parler un peu plus? Qu'est-ce qu'on s'attend à voir sur scène? En fait, là, c'est vraiment mon spectacle « On fait du country ». J'ai lancé mon album en avril 2019. Depuis ce temps-là, on tourne pas mal en spectacle. Donc, c'est vraiment là, un avant-goût, si on veut, du spectacle complet. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup de fun aussi, autant pour nous que le public, je l'espère. C'est ça, vous êtes à 5 sur scène, donc ça va brasser beaucoup, beaucoup d'énergie. Parle-moi un peu des personnes qui t'accompagnent. Ben écoute, les gars qui m'accompagnent, c'est premièrement le réalisateur de l'album, Jean-Anthony Gagnon-Robinette, avec qui je travaille toutes mes chansons, je compose mes chansons aussi. Puis ben, les gars qui m'accompagnent en tournée, on est toujours le même noyau. La même équipe. Ouais, la même équipe, fait que c'est le fun, on commence à vraiment là, à avoir du fun pour vrai. Donc là, ça permet, j'imagine, à force des spectacles, d'avoir une bonne chimie entre vous. Ça aide, ça, j'imagine, à partager l'ambiance avec le public. Ben oui, mais c'est ce que les gens nous disent habituellement, c'est « Hey, vous avez vraiment du fun ». Fait qu'eux, ils ressentent ça. Puis, tu sais, nous, en fait, le spectacle, c'est vraiment, c'est une fête, là. Tu sais, on veut que les gens aient le goût de prendre une bière, là. Fait que c'est vraiment ça, l'objectif, parce que nous, c'est ça qu'on fait, t'sais. Un moment que vous partagez. Exact. Cet album qui est sorti l'an dernier, On fait du country, pourquoi avoir choisi ce titre? Ben, je pense que c'était comme pour statuer
dans le country, là, souvent en français, le country est associé au western. Puis nous, c'est pas du western, c'est du nouveau country américain, avec cette sonorité de nouveau country, mais francophone en français. T'sais, c'est moderne. Nos chansons, c'est ça. Donc dans les arrangements, c'est moderne. Nous, on est des grands fans de country américain, de country canadien, de nouveau country. Donc c'est ça, puis c'est comme pour venir dire, ben voici la nouvelle garde du country moderne, on arrive, on fait du country. Et c'en est. Voilà. On va pas. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté un petit peu dans plusieurs styles de musique, mais dans la musique country justement, des puristes qui quand il y a une autre influence, est-ce que ça en est vraiment? Là, il y a beaucoup de touches rock également, oui, exact. Dans ce spectacle. Est-ce que c'est toi qui a composé la musique? Oui, en fait, moi, je compose les textes, puis ensuite, j'arrive en studio avec John Anthony, puis là, on compose la musique ensemble. Là. Puis on fait les arrangements, là, vraiment. On a les mêmes influences, on a les mêmes goûts, donc c'est vraiment facile de travailler ensemble. Là. John Anthony, auquel tu fais référence, a aussi réalisé d'autres albums dans le milieu aussi un peu country, des artistes comme Gabriel Goulet, qu'on connaît ici. Pour toi, c'était important de travailler spécifiquement avec lui? Ben écoute, c'est drôle parce que nous, on s'est rencontrés dans un bar à Rimouski. On ne connaissait pas pantoute. Okay. Moi, je savais c'était qui. Ouais. Puis, il était comme 2-3 heures du matin. Là, je me dis, là, c'est le temps, tu sais, d'aller jaser. On avait près le même âge. Puis, je suis débarqué à côté de lui au bar. Je disais, hey, tu ne me connais pas, mais moi, je suis qui. Puis, on tripe sa même musique. Je veux avoir dans mon band. Je veux qu'on travaille ensemble. Depuis ce temps-là, on s'est pas lâché. Fait que c'est le fun. Donc, il y avait une affinité d'emblée. Ouais, naturelle, tu sais. On a commencé à jaser de musique. Puis, tout de suite, ah ouais, OK. C'est non mais hot, c'est le fun. Ça, c'est génial. Quand ouais. Il y a des coups de cœur comme ça. Exact. Ces chansons que tu partages, ces chansons issues de l'album, c'est quoi les inspirations? De quoi tu parles dans tes chansons? Ça va être cliché, mais beaucoup de la route. Je fais beaucoup de route, c'est sûr. Donc, tu sais, il y a cet aspect-là, mais aussi, je te dirais, le contraste entre aimer faire de la route puis aimer être à la maison avec ma famille aussi. Donc, je parle beaucoup de ma famille, beaucoup de mes amis, beaucoup de la nature qui m'entoure parce que j'habite justement en campagne, là, pas loin de Saint-Tite. Fait que ça fait en sorte que je baigne là-dedans à chaque jour. Tu sais, c'est vrai, mon voisin, ses chevaux courent dans le champ en avant. Fait que, tu sais, je parle de cet univers-là, mais beaucoup de références aussi parce que je suis un gars assez nostalgique, autant party que nostalgique. Tu sais, donc, dans les sonorités, on sent que c'est festif, mais dans les textes, je vais parler de mes amis, m'en parler des références, les bars que je fréquentais quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, il y a tous ces aspects-là. C'est très familial comme thème de chanson. Là. Beaucoup des relations humaines, en fait. Ouais, exact. Sans savoir où aller, on buvait nos étés sur des airs de country, on réchauffait nos soirées au bord du BDT. Yeah! On remplissait nos chars de gaz et de bière, on montait vers le nord pour défier la rivière. On usait nos guitares, nos rêves en bandoulière, on était les plus forts. Se range et nous on survit. Que bon Dieu nous pardonne, pour le meilleur, pour le pire. Parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. Que bon Dieu nous pardonne, pour le meilleur, pour le pire. Parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. On entassait les mille dans un vieux Cherokee. Sur la ville, la pédale au plancher. On aimait les filles, mais on les laissait tomber. On croyait qu'à être seul, c'était ça la liberté. Les temps changent, et nous aussi. Et si on se range, jamais on s'oublie. Que le bon Dieu nous pardonne, pour le meilleur, pour le pire. Parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. Que le bon Dieu nous pardonne, pour le meilleur, pour le pire. Liberté météore.
on est encore les plus fiers, toujours les plus forts. Que le bon Dieu nous pardonne, pour le meilleur, pour le pire, parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. Que le bon Dieu nous pardonne, pour le meilleur, pour le pire, parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. Que le bon Dieu nous pardonne, pour le meilleur, pour le pire, parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs, parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. Tu parles du fait que tu évoques la route dans tes chansons et que tu sois aussi justement souvent sur la route. Mm-hmm. En termes d'écriture, de création, est-ce que c'est plus facile d'écrire sur la route ou à la maison? C'est pas facile d'une place ou l'autre. Je te dirais que souvent, sur la route, va me venir en tête un bout de refrain ou une phrase clé dans une chanson. Puis ensuite, je vais revenir chez moi puis là, je vais me placer là, à partir de ces deux trois phrases-là. La chanson va naître là, t'sais. Puis, moi, ça me prend un temps limite. Donc, okay. Mettons, s'il faut que je rentre dans le studio le lundi matin à 9h, souvent le dimanche après-midi, je suis en train d'avancer ma chanson. Okay. Donc, tu aimes vraiment créer sur le vif, ça me prend ça. Parce que sinon, je suis toujours en train de me dire, je vais la modifier au pire. Mais là, tu sais, mes meilleures idées sortent vraiment quand je ne peux plus vraiment les modifier. C'est bon. Parfois, il faut un petit peu de pression pour sortir le meilleur de soi. C'est pas sain pour l'esprit, mais ça fonctionne bien. Tu as sorti cet album l'an dernier et tu as déjà quand même une belle reconnaissance du milieu country, que ce soit sur des palmarès radio ou des nominations. Comment tu accueilles tout ça? Écoute, moi, comme on disait tantôt, là, au niveau de la musique country, c'est une belle famille. Mm-hmm. Mais de sentir cette ouverture-là avec mon projet qui est sensiblement nouveau aussi, puis qui est un petit peu différent dans la sonorité, mm-hmm. Je trouve que c'est... Moi, je me sens choyé de vivre cet accueil-là, si on veut. Première fois que je faisais ma chanson « Que le bon Dieu nous pardonne », qui est sur mon album, sur scène, c'était au Festival de Western de Saint-Tite. Qui est vraiment une des références dans exact. Puis cette soirée-là, j'avais gagné le prix Étoile Stingray. Là, moi, j'étais sur un nuage parce que c'était vraiment bienvenue dans le monde du country là, donc moi je te dirais que ça c'était comme en 2017 ça, je suis encore sur le nuage, c'est parfait. J'ai roulé dans une carte postale, traqué la mer pour les étoiles. Ça fait longtemps. J'ai mis les voiles. La grande ours veille sur son royaume. La radio chante un coming home. Le vieux Cherokee a tenu le coup. Terminus Liberté, bienvenue chez moi. Pas trop tard.